Salut Léonçois! Alors je voulais déjà vous souhaiter une merveilleuse année 2024 à tous. Et pour cette première vidéo de l'année, on va parler de Kevin Danso et de l'intérêt que lui porte le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Auteur d'une première partie de saison dans la lignée de ses saisons précédentes, l'Autrichien, qui est le véritable roc défensif des 100 et or, continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1. Et il est donc courtisé par le club de la capitale lors de ce mercato hivernal. C'est ce qu'ont annoncé nos confrères de l'équipe Foot Mercato et Sky Sports. C'est dire si l'intérêt du PSG est fondé pour Kevin Danso. Mais pour l'heure, le champion de France en titre n'aurait pas encore formulé d'offres concrètes au RC Lens pour recruter l'international autrichien. Et il ne s'agirait pour l'instant que d'une simple prise de renseignement. De leur côté, face à cet intérêt du PSG, les dirigeants lensois auraient répondu à leur homologue parisien qu'ils ne souhaiteraient pas vendre l'ancien joueur d'Augsbourg cet hiver. Mais si une très grosse offre du PSG finit par arriver sur la table des dirigeants lensois, nul doute qu'elle devrait être étudiée et pourrait même être acceptée malheureusement par les dirigeants sang et or. Donc pour moi, on peut craindre un départ de Kevin Danso du RC Lens, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Surtout que le joueur ne serait pas insensible à l'intérêt du PSG. Il serait ouvert pour un départ l'été prochain et pourrait même être OK pour un départ dès cet hiver si Paris le veut vraiment maintenant. Mais je le répète, selon moi, il faudrait vraiment une très grosse proposition du PSG pour arracher Kevin Danso du RC Lens, c'est-à-dire environ 50 millions d'euros. Quand je vois le prix de certains défenseurs centraux qui sont vendus sur le marché des transferts, je pense vraiment que Kevin Danso vaut ce prix-là et peut-être même plus. En tout cas, on espère que l'intérêt du PSG pour Kevin Danso en restera là et que le joueur de 25 ans finira la saison dans l'Artois et restera même encore plusieurs saisons du côté du RC Lens. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne But Football Club sur YouTube et donner votre avis en commentaire si vous aussi vous craignez qu'un départ de Kevin Danso intervienne dans les prochains mois.